Bonjour les amis. Ce dimanche est le début de l'année liturgique, le début de toutes les fêtes de l'Église. C'est le premier dimanche de l'Avent. Mais qu'est-ce que l'Avent? L'Avent vient du mot avent, du latin adventus, qui veut dire arrivé, venu. C'est le temps par lequel les chrétiens attendent la venue du Christ, qui est fixé à Noël. L'Avent débute 4 dimanches avant Noël. Pendant ces 4 dimanches, ces 4 semaines, nous allons nous préparer. Nous allons essayer de faire des efforts. Mais comment? Je vous propose de regarder la petite vidéo qui raconte l'évangile de ce dimanche. Évangile de Marc, chapitre 13. Versets 33 à 37. Personne ne sait quand le Seigneur viendra. Faites attention, ne dormez pas. En effet, vous ne savez pas quand le moment viendra. Pensez par exemple à un homme qui part en voyage. Il quitte sa maison et la confie à ses serviteurs. Il donne à chacun un travail à faire et il commande au gardien de la porte de rester éveillé. Restez donc éveillés. En effet, vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Ce sera peut-être le soir, ou au milieu de la nuit, ou quand le coq chante, ou le matin. S'il revient tout à coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez éveillés. Vous avez vu l'évangile? Le texte est raconté aussi en langue des signes pour que tout le monde puisse écouter cette belle histoire. Le texte de l'évangile nous invite à veiller. Jésus nous dit de veiller. Il nous appelle à désirer sa venue de tout son cœur, à suivre sa lumière, à se réveiller. Il nous invite à préparer nos cœurs, à changer nos cœurs. Mais comment? Peut-être en étant proche de ceux qu'on aime, en allant vers ceux qui en ont besoin, à prier ou bien d'autres choses. Dans la vidéo, le mot « veiller » est comme ceci. Elle dit « veiller ». Alors, le petit défi que je vous propose, c'est d'apprendre à faire ce geste pour le refaire quand on se reverra la prochaine fois à l'église. Veiller. À vous maintenant. Voilà les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire de l'Évangile.